Et bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH pour vous servir à la suite de notre let's play découverte de Pokémon XD sur GameCube. La dernière fois, on avait enfin réussi à gravir tout le repère ombre en entier, donc on est littéralement au-dessus du volcan, hein, le cratère est là. Et Vampeur nous a accueillis. Rappelez-vous, celui qui avait pris le contrôle de Phénacite qui veut devenir... c'est pas empereur, c'est... Ah, je sais plus le nom. Sénateur, je crois, ou un truc comme ça. Bref, il veut être politiquement le chef de Rhodes. Sauf que comme il est pas content qu'on lui foute une rouste à Phénacite, il a voulu prendre une rouste ici. Donc, il s'est fait manger vite fait bien fait. Et donc, il y a un des larbins de Malafite qui nous attend. Ce qui veut sûrement dire combat. Alors, on va mettre Démolos et Galégon. Et on va prier pour que ça passe. Ah, ça faisait longtemps. Tu te souviens de moi? Je t'ai aidé à pas ramarrer. T'as pas oublié, n'est-ce pas? C'est pas la peine de remercier. Je ne sais que punir un inconscient qui a utilisé un Pokémon obscur en public. À l'époque, personne ne devait être au courant des intentions du groupe Ombre. Je pensais que t'étais un enfant ordinaire. J'ai tout le temps de penser que tu deviendrais une menace pour le groupe Ombre. Assez parlé. T'as les capacités nécessaires pour arriver sur l'île Ténébra. Fais-moi une démo. Oh, tu vas pas être déçu. Bon, à demain, Artus. Et l'Edel est à la Kazam. Et ben, parfait, j'ai le match-up parfait. Pardon. Ah, déjà? Et l'Edel. Ok, let's go. Déjà, à la Kazam va se manger une feinte et tombe roche sur l'Edel. L'avantage c'est que Galgon ne devrait pas tuer les devs. Ah, je tue pas la Kazam non plus. Ok. La Kazam veut flex. Ah. Ok, midlife, on ira peut-être pas plus bas. C'est Galégon et... Ah bah non, la case n'est pas obscure, c'est vrai. Par contre, Démolos... Je sais qu'il est rapide et qu'il est à fort, mais j'ai peur qu'il se fasse à haute speed. On va essayer quand même. Du coup, Super Ball. J'espère que ça va suffire pour Evidel. Il est pas para ni rien, mais bon, on verra. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Ouais, il a aussi. Ah! Not cool. Not very cool. Après, c'est un admin, ça déconne pas les admins. Bon, la Kazam est en train de mourir tranquillement. Alors... bah, j'y attaque. Comme ça, on est sûr de tuer. Et puis, on va tenter l'Hyper Ball, parce que la Super Ball, on avait que ça passerait pas. J'ai hésité à sortir Pharam pour parler d'elle, mais... Salut, Matt! Ça passe. T'as rien raté, on est sur le premier combat de la première VOD. Ah!
Bon, il n'est pas à capturer, ce qui est entre guillemets dommage. Mais le. Le Ikora, il va être. Va être compliqué. Ascarino. Qui n'est pas obscur. Moi, c'est rare d'avoir un Pokémon obscur dès la première. Dès le premier tour, alors que il a encore des Pokémon en réserve. Bon. Bon, Scarino est en moitié de type psy, il va morfler. Ouais, bah, quoi de faire, on va essayer, de toute façon. Il va se faire dézinguer, le pauvre. Le Galégon. Oh! Évidemment, ça touche. Oh! Alors que c'est super efficace sur Galégon. Le chaton! Bah mon chaton! Wesh! Scarino, il est insecte combat. On dirait pas, mais ils ont focus pantalon de puissance. Maintenant qu'il pourra focus focus Galégon du fait qu'il avait le type super efficace, mais bon. Ah ma vie. Eh bah oui. Eh bah oui. T'es obligé. C'était obligé qu'il ait la Zardas. Oh, mais pourquoi ils attaquent pas Galégon? Je comprends pas en fait. Ah, Electek Obscur. Bon. Là, ça va être tendu. Ce qui pourra, j'irai. Là, il pourra, j'ai pas réussi à le tuer. Avec ce qui me reste. En vrai, non, je verrai l'autre parce que là, il pourra, j'arrive pas à le tuer. Il pourra, vu comment je suis parti, c'est mort. Je tente autre chose. Je répète, oui, ça peut être considéré comme de la triche. Mais j'en profite vu qu'on est sur l'émulateur. J'ai pas envie que les VOD durent 107 ans donc bon bah au moins ça c'est fait. En vrai j'oublie tout le temps que insecte c'est fort sur psy. En fait j'oublie beaucoup le. D'accord. Ok, ça c'est fait. En fait, j'oublie que. J'oublie les. La force du type insecte. Oh ouais, non mais si Megacorn il fait ça. Oh, ça va être impossible. Ouais, d'accord. Non, ok. Bon, ça sert à rien. Lui, faut qu'il. En fait, les deux, faut qu'il dégage en fait. J'aurais mis un coup critique.
Ah, ça a enfin focus Galégon. De toute façon, Vibrana va se faire focus par Hyporoi en laser glace. Hein. Ah bah outspeed, mais bon. D'accord. Pourquoi je sens que ce fight est perdu en fait? Peu importe comment je le fais. Jascarino, il dégage. Évident. Bon, c'est pas que je suis dans la merde, mais je le suis un peu quand même. Faut que je me débarrasse d'Hyporoi, de toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je me débarrasse d'Hyporoi. Pourtant, un pharaon s'attaque normalement. Ok, le... Oh, même avec un critique, ça passe pas. Ah bah, heureusement que... Heureusement que je peux attaquer encore derrière. Par contre, d'où il arrive à faire deux hydrocanons de suite sans se viander? Moi, je vais faire deux queues de fer de suite, j'en rate deux, quoi. Boost, on s'en fout. Oh, 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 lui obscur. Oh merde. Oh les relous. Oh les relous. Bon. Comment j'avais mon truc? Parce que je serais tenté de soigner Pharaon sur le tour de Mentali. Pour paralyser au moins le Ronflex. Mais... Le truc c'est que Electek risque de m'outspeed. Bon. On va essayer. Ok, ça va, il fait une attaque non offensive. Si Ronflex attaque plus vite que Mentali et Pharaon, je comprends plus rien. Ah, par contre, le Ronflex, ça va tellement être une purge. À tanker, à faire baisser ses PV et à capturer. Déjà, Para, on peut plus rassurer déjà. Surtout si la Para est proc. Bon. On va s'occuper de Ronflex. Je vais rappel sur Galégon. Parce que je pense que j'aurai besoin qu'il tank. Oh ah ouais, alors vu ce que Raphaël Psy fait, je suis pas dans la mouise moi. Tant qu'il s'excite à faire ça, moi ça me va. Alors,
Il a perdu des PV, c'est bien. Mentali KO, c'est moins bien déjà. Mais... ok. Alors, j'ai dû mettre Fogler. Parce que Fogler contre Electek, ça va piquer. Enfin, évidemment qu'il a des restes. Et évidemment qu'il a reste. C'est un Ronflex. Bon. J'ai envie de dire... de l'eau, hein. En vrai, vu le temps que j'ai fait de fight, on peut tenter une Chrono Ball. Je pense que c'est un plan à la con, mais... alors par contre, non. Sur le tour de Pharamp. Chrono Ball, je rappelle l'effet, c'est que plus le combat dure, plus la balle est efficace. Ce qui fait qu'après un très très long fight, elle est beaucoup plus efficace qu'une Hyper Ball. Donc là, j'ai pas compté les tours, donc... let's go! Ça, c'est bon! Le Ronflex, ça, c'est cool! Ok. Là, on est bien. Donc, on va faire tombe roche, cage éclair, et prochain tour, on le capture. Sauf si... aïe. Ok, Pharamp, ça passe. Pharamp, ça tank. Son Pharamp, il a une attaque non électrique, c'est bien pour taper sur les électriques. Au moins lui, il est pas immunisé à la paralysie comme l'autre de... d'un épisode précédent dont j'ai oublié le nom. Je sais plus qui avait réussi à tanker une para... c'était Kit Lee, je crois. Qui avec son effet, son effet spécial avait réussi à tanker la para. On va tenter... ah, on peut tenter coup de boue. Je suis pas stabé, donc ça peut faire des dégâts sans trop la mocher. Je vais refaire une save set, même si j'en ai déjà fait une, puisque je vais être sûr de mon coup. Ok. Allez, Fogler, ne le sois pas. Merci, Fogler. Ok. Ah, ça aurait pu être game over là. Il aurait pu se tuer. En vrai, ce jeu à faire en legit, c'est-à-dire sans les safe stats, c'est ultra dur pour tous les capturer. Il faut que ça se passe bien. Allez. Le fight aura juste duré 20 minutes. Pas rendu mal la fille, moi encore. C'est problématique, si rien n'est fait. Par contre, si lui il y a 3 obscurs, j'ai très peur pour Malafid. Ça sent la team full obscure. Sachant qu'il a le Lugia, de toute façon. J'aurais dû te prendre plus au sérieux et agir bien plus tôt. Les choses ne sont plus de mon ressort. Je te confie au maître Malafid. Mais ne pense pas que c'est terminé. J'abandonnerai pas mes rêves. Ok. Alors, on va descendre. Comme je sais pas où va mener cet ascenseur, je préfère descendre par celui que je connais. Celui, je sais, qui mène au... en bas de l'île. Au rez-de-chaussée du volcan. Donc du coup, on pourra passer par le purificateur pour placer ce que je viens de récupérer. D'ailleurs, pour le purificateur, vous qui radez les VOD, qui n'avez pas radé les streams, sachez que, après le dernier épisode, donc en fin du dernier stream,
j'ai réussi à faire un truc que je voulais faire depuis le départ, à avoir toutes les salles remplies pour avoir la fluidité max. Et mine de rien, j'en suis ultra fier. Alors là, on a du coup. Ok, ils sont tous rangés là. Un pignon est ici, je sais pas pourquoi. Alors, Electek. Je peux te mettre ici face à Kokias. Ensuite, j'ai deux types normaux. Ah, par contre, Elendel, il ira parfaitement ici. Temps malévole ne se boucle pas. Et vol effort sur combat. Parfait. Par contre, du coup, dans l'état actuel des choses, c'est Ronflex que je ne peux pas placer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ça c'est fait. Bon. Alors, j'espère que c'est pas mal Malafide qui m'attend directement derrière. De toute façon, en toute logique, il avait un deuxième garde du corps. Là, on a affronté Artus, donc celui qui était en bleu. Si la mémoire est bonne, il y en a un en rouge qui m'attend aussi. Et salut Coralie, on vient juste de se défaire d'Artus après un combat de 20 minutes qui m'a posé beaucoup de problèmes. Et étrangement, c'est pas le Ronflex qui m'a posé problème. Alors ça me met nous, ça. D'accord, on ne peut pas l'utiliser. Ah. Marrant, ça pue, ça. Enfin, une save state ici, tiens. Au cas où. Ah bah, il y avait... d'accord. Il y avait le soin et le centre ici. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ça sent un peu l'arène finale, quand même. Ouais, il m'attend là. Oh, oh, quelle surprise! T'as battu Artus. Tu as battu beaucoup d'autres personnes, si... Je t'aurais pas été surpris. Ça fait longtemps que je me suis pas autant amusé. J'ai une certaine admiration pour la force. Toutefois, je peux pas te permettre de nous gêner. J'ai presque atteint mon objectif. Je pense que pour l'instant, je vais te tenir à l'écart. Tu feras pas de plus. Ah, d'accord. J'ai compris. C'est là que l'ascenseur va prendre son intérêt, je pense. Ah non. Ah. Alors, c'est marrant. Aimer dans quel sens? Parce que je vais souffrir ou parce qu'il va être cool? Le mur de verre énorme est possible d'appeler play plus loin. Ouais. Ouais. Ah d'accord. Aïe, d'accord. Moi, mauvais. Oh, merde. Oh, merde. C'est moi. Tu sais, je suis presque content de te voir. Mais il faut que t'arrêtes de gagner à chaque fois qu'on se bat. Non, sérieusement, c'est pas bon pour moi. Le maître Malafide m'a donné une dernière chance de me racheter. Mon ultime chance. Si j'échoue, c'est fini pour moi. Je n'ai aucune constance dans les voix que je fais, mais c'est pas grave. Il me semble pas que c'est ça que j'avais fait de nos ors, mais c'est pas grave. Je suis pas drac. Ogada et Ursaring. Bon. Il y en a un qui va être chiant. Ok, aucun est obscur. Bon, déjà, c'est bien. Du coup, feinte sur lui, ce qui est la moitié de type psy. Mais... Oh aïe. Alors, pour ça qu'il a fait abri. Bon, on va faire ça autrement alors.
Vu que je sais qu'il fait abri, j'abuse. Je m'en doutais que ça suffirait pas. J'ai essayé. D'accord. J'aurais pas dû reload. C'est pas grave. Moi mauvais, c'est pas grave. Le jeu m'a puni. Non mais le jeu m'a puni. Alors, casse-brique sur toi. Parce que l'avantage de casse-brique, c'est que ça passe abri. Quoique du coup non, il fera pas abri maintenant. Je vais me débarrasser de Regarda tout de suite. Voilà. T'as Regarda qui a séisme, c'est pas courant. J'ai presque le même. Bientôt. Oh, par contre, du coup, l'attaque combat de Pharamp va faire mal. Oui, ça aussi, ça a fait mal. Et en plus, il fait abri, donc ça sert à rien. Vu qu'il est pas visé. Allez, oh presque! Oh, ça aurait été magnifique. Séisme? Bah oui, séisme. Oh, Pharamp qui tanque le séisme? Ah non, franchement, là, respect. Là, j'ai rien à dire. Respect. Sortir j'ai vraiment tout de suite. Comme ça, les séismes, lui, il s'en fout. Alors. Je vais espérer que ton bisable ça fasse assez d'effet. Ça suffit, c'est bon. Ah. Bon bah Vibrana va morfler. Alors non, c'est là que Pharamp aurait été utile. De toute façon, Vibrana va mourir. Donc je vais en profiter pour... Voilà, reste Pharamp. Oh putain. Bah oui. Ah, tant que Sauvsaring est en vie, en fait, j'enchaîne les séismes. Tant qu'Oursaring est en vie, en fait, je vais manger tous les séismes de la Terre. Je crois que Fan fait plus de dégâts, j'ai un doute. Ah,
prendras plus abri, toi. Bien, du coup, si tu veux faire séisme, il faudra trouver une strat. Ok, j'ai encore mentalé en réserve. Ok. Alors déjà, Vibranoff. Ah si, ma cheveux fait 20 dégâts de plus. My bad. Faudrait que Fante faisait plus de dégâts. Bon. Bon. Le problème va être Kemors. Vas-y, pas en tartare aussi, va être un problème, mais... On va essayer. J'ai peur de me faire tuer. Qui vise? Fogler. Le Kemors, il est focus sur Fogler. C'est bien, c'est en partie son taf d'avoir l'aggro. Sur ce fight, tout du moins. Bon. Alors, le problème, c'est que là, du coup, c'est Mentalit qui apprend de la relève. Mentalit en crasse sûrement moins que Fogler. Que Fogler. Ça dégage. Voilà, la puissance de Pharamp. Oh putain. Oh la flure. Oh, ça va être long. Oh là, par contre, ça va être très long. Tartare et Monsieur Mime. Si j'arrive à m'occuper de Tartare, Galagon, il a rien à craindre de Monsieur Mime. Waouh. Mental tank. Pharamp aussi. Bon, ciel noir, je vais prendre des dégâts à tous les tours. Bon. Alors. Balle ombre sur Monsieur Mime. Cage éclair sur Tartare. Parfait. Parfait. Pas besoin de plus. J'ai besoin que Pharamp reste en vie. Merde. J'avais besoin qu'il reste en vie. Chier. Oh mon de Dieu. Bon.
Alors. Je zingue Galégon, essaie de tanker. Essaye. Je vais pas attraper deux fois sur un seul tour. J'ai déjà essayé, je peux pas lancer deux Pokéballs sur un seul tour. Bon. Par contre, non, là j'ai sérieusement besoin qu'il attrape l'un des deux. Parce que là, je vais prendre. Non, pas rappel, je vais prendre beaucoup trop cher. Là, je vais prendre beaucoup trop cher. Le truc, c'est que Tartare spam Typhon Noir. En charge noire. Et me summe Typhon Noir, donc je prends max dégâts sur les deux tours. Donc. J'ai bien que l'un des deux rentre dans la boule. D'accord. Donc, t'as décidé qu'en fait, tu ne rentrerais pas. Bah en fait si, tu vas rentrer. Ça c'est oh insecte, ça marche. Ah si, si j'ai une filet boule. Ça marche sur lui. Alors peut-être. Alors peut-être. Para ça aurait été mieux mais... J'ai bien fait de l'acheter. J'ai une éternité qui est dans mon sac. Et ça sert maintenant! La puissance des balles super efficace. Ok. Je suis un peu plus rassuré. Tartare me fera plus chier. Oh, oh putain! Bon, bah là j'ai pas le choix. Là je suis obligé de spammer la capture. Parce que là, même si je reste quelqu'un, c'est mort, je pourrais pas l'invoquer. Donc bah ça va être spam de safe state, hein. Sauf si le jeu est sympa, mais. Le jeu n'étant pas sympa. Oui! Oui. Mince, on est maudit. Oh non, c'était ma toute dernière chance. Ça doit être mal la fille de me chasser. Comment est-ce que je peux continuer à perdre contre un gamin comme ça? Quelle honte. Bon, bah déjà, avant toute chose, on soigne. Oh la vache! Bon, avec ce que j'ai récupéré, plante. Ah si, je sais ce que je vais mettre. Voilà, le Tartare ici. Oh. Eh ben... Eh ben, le comité d'accueil était... costaud. Bon, eh ben, on va s'arrêter ici pour cette VOD. J'ai mangé. Et c'était pas très digeste. Bah pour vous sur YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode, le petit like, commentaire et partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson, le Discord en description, je dis à tôt pour la suite de Pokémon XD, salut!